et lui montre sa qualité de finisseur. Une nouvelle fois, Fabien Lemoine qui prend sa chance et qui oblige Vincent de Marconnet à mettre ce ballon en corner. Ballon bien ressorti qui permet à Lemoine avec la sortie de balle d'Enzo Lefebvre, Cabot dans la course de Pierre-Yves Hamel. Et l'attaquant l'Orienté qui parvient. Ça jouait vite côté l'Orienté avec Alexis Claude Maurice dans la surface parisienne. Et Enzo Lefebvre, il est tellement à l'aise dans cette équipe déjà que c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés, notamment ce corner. Loin, très très loin. Cette saison, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il a été recruté, ouais. Ah ouais. Un banquet de caractère, voilà. Ah ouais, je suis d'accord avec vous, Ludovico, et cette équipe de Lorient aurait pu. À la fin du match, ils ont travaillé les coups de pied arrêtés, les feintes. Là encore une fois, regardez, ils ont fait un semblant de discussion. Avec Ergo. Cabot dans la course de Pierre-Yves Hamel à la course avec Kanté. Ça souffle au moustoir et ça pousse avec le corner de Vincent Le Goff, de Marconnet qui a relâché ce ballon. Et ça permet derrière. Et Aki Glissant, qu'il avait bien boxé les fois précédentes. Voici la PFC à l'attaque. Avec bien joué ça. Abdel Djellil. Le face-à-face, Julien Lopez. De carton ou d'autres buts parce que la différence de but est importante. Jitouka. Avec P3PA, ils arrivent à combiner. Wamangi Touka qui veut frapper, mais sans danger. Parisien de la saison dernière, 11 buts pour Silas Wamangi Touka. Pour son premier match au cours de domicile, mais c'est un buteur qui a. Le premier ballon dans ce match pour Quentin Lecoeche. Centre de Lecoeche, la trajectoire qui n'a pas pu être coupée par Pierre-Yves Hamel. Mais le fait dans la course de Pierre-Yves Hamel, il est pas hors jeu. Le centre d'Hamel en retrait, Johan Wissa qui s'est retourné. Qui peut marquer le troisième but. C'est ça, et bien c'est le ballon lui est donné par Enzo Lefebvre. De la glissade de son adversaire, Lemoine vers le gauche et attention, Thomas Garcia qui avait pris l'information, Thomas Garcia, mais attention, pas trop tergiverser le tacle de Lecoeche. Lecoeche sur son pied droit, Lecoeche qui va essayer d'enrouler encore une fois. Justement, alors que son équipe mène 3-0. Le corner pour le PFC. Cette tête qui va passer très très loin à renforcer d'ici la fin du mercato. Lecoeche avec ce centre. Il y a Lemoine qui réclame ce ballon. Mara pour l'instant il essaie de trouver une solution de centre de Marconnet. Pourquoi pas Pierre-Yves Hamel qui s'invite au festival offensif l'Orienté.